Madame Columbo. Le mystère du magnétoscope. Kate s'intéresse à la mort de Laura White, qui dirigeait une société de rencontres vidéo avec sa partenaire Karen. Bon visionnage. Je cherche femme gentille. Intelligente. Oui. Sexy. Non, oh, ça oui. Bien entendu. La femme que Zach voudrait bien trouver, c'est facile, c'est un fait rigolo. Ah, je vois. Abusant. Je veux une personne honnête et quelqu'un qui a l'émotion. C'est très important. Oh, et c'est pour ça que vous avez quitté la Tchécoslovaquie. Trouver quelqu'un avec qui rigoler, quelqu'un qui sache vous amuser. Non. Si j'ai quitté Tchécoslovaquie, c'est rester en vie. Vous seriez venu aux États-Unis pour rester en vie. Oui, et aussi continuer la vie. Je suis un homme, j'aime beaucoup les femmes, les belles femmes. Ici, Zad, c'est sauvage, il connaît rien, personne. Alors, il cherche... Je comprends. Pourquoi vous arrêtez ça? Parce que ça suffit, simplement. Non, j'ai encore des choses à dire, je commence juste. Je sais qui vous êtes, vos airs candides. Ce que vous cherchez, c'est une épouse. Vous êtes venu ici pour que je vous trouve une femme, hein? Pour vous éviter d'être expulsé à l'expiration de votre visa. Non, pas compris, je cherche une amie. J'ai dit, Zat, il veut quelqu'un en Je sais ce que vous voulez. Vous êtes un meurtrier, monsieur. Non. J'ai dit, exact, j'ai tué. Mais c'était résistance. Attention, j'étais partisan, c'est tout. J'ai tué, homme. Quand c'était la guerre, pas assassin. Oseriez-vous me dire que vous êtes ici avec des papiers en règle? Non. Et si je me mettais à parler de ça à l'immigration, on vous jetterait dehors. J'ai déjà parlé, moi, à l'immigration. J'ai déjà parlé. Vous rien dire, hein? Vous rien dire sur Zat. Non, si. Vous pas dire sur Zat, entendu? Zat a déjà tué. Il a déjà tué et il sait encore comment tuer. Vous pas dire sur Zat à l'immigration, je reviens vous tuer. Kate, il est temps de rentrer, il est tard. J'ai pas encore fini. Ah, vous finirez demain, Kate. Josh, j'en ai encore pour près d'une heure et demie. Mais en mettant les choses au mieux. Je dis, rentrez chez vous, vous ferez ça demain. Vous êtes un sacré patron, je vous assure. Première sur les lieux, hein? Ah, oh, que faudrait-il que je fasse? Que je la prenne par le journal? Non, mais vous êtes rapide. Je sais qui vous êtes, mais vous ne me connaissez pas, capitaine Randall. Si, je le savais, capitaine. Que s'est-il passé? Qui est-ce? C'est mademoiselle White. Elle a reçu une balle en plein dans le cœur, ce qui l'a tué net. Le contraire aurait été surprenant. D'habitude, c'est assez radical. À l'instant, vous disiez me connaître. On m'a parlé de vous. Ah. Et quel est votre verdict? Négatif ou positif? Je n'en sais rien encore. Je suis toujours circonspecte quand je côtoie les réformistes. Est-ce que ce monsieur est un suspect? Non, enfin, du moins si on en croit sa version. Il avait rendez-vous avec celle qui a été tuée, il s'est donc présenté et, selon lui, il est entré dans la pièce et il a trouvé cette personne... Il a trouvé cette personne morte. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et je précise que je ne suis pas réformiste le moins du monde. Vous avez pourtant déjà remis un tas de gens dans le droit chemin. Ah. Je crois que vous avez une fille encore très jeune, enfin, je l'ai entendu dire. C'est
Texas, pourquoi? Nous avons ici deux cinémas de style pornographique et plusieurs salons de massage. Et nos rues se sont remplies de ce que l'on appelle joliment, d'ailleurs, sex shop. Et vous savez sûrement, comme je le sais, tout ce que ça recouvre. Je n'ai pas envie que les enfants, qui sont bien sûr attirés par les choses qu'ils ne connaissent pas, se pervertissent en voyant à la sortie des classes de pareils spectacles. C'est un souci qui vous honore, capitaine. Merci de tout cœur pour nos enfants chéris. Ah, vous ironisez sur un sujet très très sérieux, madame. J'essaie seulement de préserver dans mes articles un peu d'objectivité. Et je me demande depuis tout à l'heure pourquoi vous conduisez cette enquête. Un officier de police de rang supérieur, c'est assez curieux. Eh bien, je vous pose la question. Quel genre de personnes utilisent les agences comme celle-ci? Des gens seuls? Des gens qui ont envie de parler. Ah, peut-être, oui, des gens solitaires. Et souvent, ces gens viennent chercher de la compagnie dans ces agences spécialisées où quelquefois, ils rencontrent aussi des embêtements qui peuvent aller jusqu'au meurtre, la preuve. C'est ce qui s'est passé. Eh oui, c'est ce qui vient de se passer. Oh, il est tard. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit. J'espère qu'on ne nous a pas vus. Oui, je n'aimerais pas trop qu'on nous voie entrer. Ça pourrait me coûter cher. Elle n'avait pas l'air pauvre, cette dame. Pas trop, non. Ah, voyons si j'ai un bon crédit. Ça ouvre toutes les portes, paraît-il. Oh, Mac, vous avez raté votre vocation, je vous assure. Oh, je ne regrette rien, j'ai un salaire assuré. C'est de très mauvais goût, mais ça a dû coûter cher. Sans aucun doute. Son métier paraît plus rentable que celui de journaliste. Et que celui de policier, semble-t-il. J'ai quand même appris une chose. La balle a traversé le corps. Comment ça a traversé le corps? Expliquez-moi. La balle est entrée, elle est ressortie de l'autre côté, elle s'est logée dans le mur. Le tueur l'a retirée. Ce qui fait que l'arme ne sera pas retrouvée d'ici longtemps. Dites donc, la personne qui a tué Laura doit s'y connaître. Mais Randall pense que le tueur s'est servi d'une ancienne arme d'un calibre inusité de nos jours. Une arme étrangère, sûrement. Ce qui fait penser aussitôt à Zatek Milevsko. Mais c'est pour ça qu'on l'interroge, bien sûr. Regardez ça. Chère mademoiselle White, nous avons lu votre proposition avec grand intérêt et nous déclarons intéressés par votre ouvrage. Blablabla, et c'est signé Oscar Bartlett, publication. Tiens. Elle comptait faire éditer un bouquin. C'est moi qui ai téléphoné tout à l'heure. Ah, enchantée, je suis Karine. Bonjour, vous êtes Kate, je crois. C'est ça. Installez-vous là. Je n'étais pas certaine que vous puissiez me recevoir après ce qui s'est passé ces derniers jours. Ah, c'est vrai. Pauvre Laura, ça m'a terriblement choquée. Mais les policiers ont fini leur enquête ici, alors je me suis dit que nous avions des responsabilités envers nos clients et... Est-ce que vous avez une idée de ce qui est arrivé? Pourquoi est-elle morte? Non, aucune idée. Jamais nous n'aurions pensé qu'une chose pareille pouvait arriver, bien entendu. Mais elle voyait tant de gens. Mais vous n'êtes pas venu parler de ça. Notre but, bien sûr, est d'abord de faciliter les rencontres de bonne foi entre gens de bonne foi. Et j'ai besoin de quelques détails sur vous, chère madame. Voilà, vous inscrivez vos noms, adresses, qualités, vous répondez au questionnaire et ajoutez vos réflexions personnelles. Peut-être en discuterons-nous toutes les deux. Quel genre d'homme cherchez-vous? Oh, je sais pas trop. Mais voyons, quelle chose aimez-vous? Quels sont vos goûts? Non, il y a des tas de choses qui me rendent heureuse. Une petite pluie d'été avec une longue marche le soir, un spectacle intéressant, un livre distrayant. J'aime aussi... j'aime assez voir, lorsque je lis un bon livre, des idées que moi-même j'ai déjà eues. Bien, je sais déjà une chose. C'est que vous êtes différente. Mes clients, en général, nous donnent des réponses à nos questions qui dénotent bien souvent un manque d'imagination. excusez-moi. J'écoute. C'est elle, oui, qu'est-ce que... Oh non, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais, c'est pas ta faute, comme toujours. Bon, attends une seconde. Ma mère a eu un accident de voiture. Elle a encore un accident de voiture. Est-ce qu'elle a quelque chose? Non, elle s'en tire toujours. Ce qui prend, c'est la voiture. Oh. Il faut que j'aille la chercher, je suis désolée. Oh, mais en attendant, j'aimerais jeter un coup d'œil sur les différents enregistrements de vos clients. Peut-être que je vais trouver ce que je cherche. Bien sûr. Oui, je viens de chercher. Tenez, voilà le fichier. Vous trouverez des numéros qui correspondent aux enregistrements. Et à tout à l'heure. Merci. Je vous en prie, allez.
Il y a tant de gens qui sont perdus, qui sont prisonniers d'un tas de convenances personnelles. Ça, c'est pas mon cas. Et j'aimerais une personne qui adore la vie, une femme qui puisse encore s'émerveiller, goûter le plaisir de vivre, qui n'ait pas peur de ses propres sentiments. Voilà. Je suis capitaine de goélette. Elle est pour l'instant amarrée à San Pedro. Alors, si vous avez du goût pour... Une putain! Je me fiche des autres, c'est toi qui m'intéresse. Oh, voyons, du calme. Chalon. Voyons, tu me connais. Hein? Tu sais bien qu'avec toi, c'est autre chose. Tu n'as pas d'enfer. Allons. Allons, du calme, chérie. Bon sang, mais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aux États-Unis de façon illégale. Non, vous rien dire à l'autorité. Oh, mais... Rien dire. Zat, il a déjà tué, il a déjà tué. Et il sait encore façon de tuer, oui. Compris? Pas dire, attention, vous, pas dire à l'immigration. C'est celui que j'ai vu l'autre jour, non? D-O-L. Ça veut dire quoi, ça? Je vous l'ai dit, Kate. Je ne suis pas sur le coup, je ne sais rien du tout. Et je sais que cet homme-là, ce Zatek, je ne sais pas comment, là, j'ai oublié son nom, Zatek Milevsko, a proféré des menaces contre elle. En fait, il ne vous a pas dit la vérité. Voilà. Mais c'est très sérieux, et ça. Oui, je sais, je connais la chanson, entrave à l'enquête de la justice, je garde ces choses pour moi, oui, oui. Oui, ça peut aller très loin. J'ai vu des choses aller encore plus loin. Vous devriez jeter un coup d'œil sur les enregistrements DOL. Je peux vous affirmer que ça donne des raisons de réfléchir. Et DOL, ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des cassettes très différentes des bandes des autres clients. Différentes. Disons que ce sont des enregistrements personnels. Laura séduisait ses clients, c'est évident. Ça lui faisait un moyen de pression sur eux, sans doute. Elle devait les faire chanter. J'ai demandé à Karine Wester ce que DOL voulait dire et elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. Mais elle devait avoir sûrement sa petite idée. Et moi, j'en ai une aussi. Merci pour la balade. À tout à l'heure. Merci. Monsieur Milevsko, je suis journaliste, je suis au journal local. Et moi, Zatek, Aydis Prostent Milevsko. Oh mon Dieu, jamais je pourrais me rappeler de tout ça, moi. Oh, les amis à moi appellent toujours moi Zat. J'ai rencontré vous déjà, non, avec police l'autre jour. J'ai trouvé ce jour la femme tuée. C'est très triste, hein. Vous trouvez que c'est triste, alors qu'elle vous accusait d'être entrée aux États-Unis dans l'illégalité? Comment, vous, c'est tout ça? Ah, je le sais, voilà. Il existe une bande de votre conversation. Une bande? Elle fait enregistrement? Oui, je le sais, je l'ai vu à l'agence. Attention, si vous dire police tout ça, moi je suis perdu. Kate, le nouveau est arrivé. Les Lekin qui va nous donner un coup de main. Il vient de Berkeley, c'est une référence. Très heureuse, soyez le bienvenu. Je vous remercie. Dites Berkeley, c'est autre chose qu'ici. Bon, je sais ce qu'on en pense, on a la réputation de radical, d'activiste et d'intellectuel. Mais c'est vrai. Ça lui passera, elle est encore très jeune, ça peut s'arranger. Oh, ne craignez rien, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'avenir dans la poursuite des chimères. Alors vous passez de l'autre côté, hein? Ben, c'est vrai, je suis un traître idéologique. Entre autres choses, il ira faire chaque jour la visite des commissariats, ça vous soulagera. Alors rendez-moi un service. Questionnez Mike Warwick, qu'il vous dise s'il y a eu du nouveau sur Laura White, il saura. Compris, j'y vais. Merci. La maison s'agrandit. S'il n'empêche que je ne crois pas que ce Zatek Milevsko soit l'assassin. Pourquoi? Parce que Simon Randall le pense. C'est une des raisons. Je vais m'en trouver une meilleure que ça.
Allô, Bartlett Publication. Je voudrais Monsieur Bartlett. Je suis journaliste au journal local. Oh, c'est Laura White. J'aurais pensé qu'elle était plutôt du genre à écrire un livre de cuisine. Allô, Monsieur Bartlett. C'est ça, du journal local. Je me demandais s'il me serait possible de vous rencontrer. En effet, c'est pour discuter de Laura White. Ah, oh, bien sûr. Ah ben oui, oui, ça devrait aller, entendu. Je serai là. À demain, au revoir, monsieur. Kate, écoutez ça. Zatek Milevsko est un expert en explosifs, spécialiste des armes et des exécutions. Il est quoi? C'est un expert en explosifs. J'ai entendu. Et on ne l'a pas refoulé à la frontière? Ah non, c'est pas ce que vous croyez. Il a combattu dans la résistance en Tchécoslovaquie il y a quelques années. Alors c'était un exécuteur? Ah, ça ne m'étonne pas de lui. Il y a encore un détail curieux. Une personne a dit à l'immigration il y a une semaine que l'homme était entré aux États-Unis avec un passeport truqué. Cette personne ne serait pas par hasard une certaine Laura White? Ah, voilà une idée originale, Kate. Elle l'est tellement que quelqu'un a eu la même. Simon Randall. Le contraire m'eût étonné. Ça a dû se passer le jour où elle a été tuée. À peine 2 heures avant sa mort. Ça leur donne un excellent suspect. Zatek Milevsko. Le capitaine Randall dit que vous êtes une merveilleuse citoyenne. Est-ce qu'il a écouté l'enregistrement avec Milevsko déjà? Non, mais il a votre déposition. Vous avez vu Laura menacer Milevsko. Pour lui, pas de question. L'affaire est réglée, il n'y a plus à chercher. Randall ne se contentera pas de ma déposition. Où sont les enregistrements? Il attend l'ordre du juge pour les saisir. Est-ce qu'il sait aussi que parmi les DOL, il nous en manque? Je n'en sais rien. Eh bien, sachez-le, il manque 3 bandes. Tiens, tiens. Et si Zatek Milevsko doit être le numéro 1 de tous les suspects, il s'est pris d'une façon curieuse. Un exécuteur aurait agi dans le silence, non? En tout cas, pour un ancien idéaliste, vous vous en êtes bien sorti. Je sens que je vais me faire une petite place dans la bourgeoisie. Madame, vous belle comme jour, je dis. Et moi, je dis, j'ai porte d'entrée. J'excuse, j'ai vu lumière, je rentre, c'est tout. Et les fleurs, à vous, voilà. C'est gentil. Mais où êtes-vous donc allé ce soir? Changer roue à la voiture, travail sale. Pour ça, j'arrive en retard. En retard? Pourquoi? Êtes-vous allé chez Laura White le soir de sa mort? Oh, je vais dire vous. Le matin, j'ai fait entretien, mais pas avec caméra. Je crus seulement qu'il n'y a pas caméra. Je dis choses qui menacent, je suis en colère. Oui, continuez. Hein? Ah oui. J'ai caractère sale, je sais bien. Je laisse aller colère. Alors, j'ai dit, moi, que j'ai pas dû dire ça. Après, je suis calme, je réfléchis. J'ai dit maintenant, c'est calme. Je retourne pour excuser et dire qu'elle dit pas l'histoire des attes à l'immigration. Hein? Et je trouve elle par terre, mort. Moi, pensez, si je dis histoire aux polices, je vais encore avoir embêtement. C'est seulement une chose que Zat déteste, une chose que moi j'ai beaucoup peur, c'est l'autorité. Uniforme dans pays à moi, uniforme, c'est toujours, toujours graves ennuis. Toujours des ennuis. Et vous comprendre. Si je veux tuer elle, pourquoi je tue pas tout de suite? Hein, exact? Hein? Quand je suis en colère, c'est là que Zat. Il peut tuer. Ensuite, c'est trop tard. Fini. Et la police, elle croit que vous êtes l'assassin. Et vous, vous croyez Zat assassin? J'essaie de me persuader du contraire. Oh, j'excuse. Je dois m'en aller. Excuse, pas le temps de finir conversation avec charmante dame. Et il faut que je parte à l'université. Je donne à manger animaux. Vous nourrissez les animaux du labo? Hein? C'est ça, je suis gardien la nuit au centre expérimental, oui.
En Tchécoslovaquie, j'avais bien meilleur travail. J'étais gardien de jour pour animaux. C'est plaisanterie. Et gardien de jour, je... Ah oui. Je vais dire, c'est drôle. Azat, il est drôle, Azat. Hein? Tiens, je donne à vous petit papier, c'est adresse Zat toujours là. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Vous venir à ma maison quand vous vouloir, pendant le jour. Alors, je vais faire amour, verrez merveilleux avec moi. Zat, il est amoureux d'un jeu, attention, ça c'est vérité. Hein? Madame, bonne nuit. Oh, ben ça c'est quelque chose. Quand? À l'agence? Une petite minute, je me réveille. Vous disiez que tout a brûlé sur les rayons? Oh, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Il était à la maison hier soir à 10h15. Oui. Bon, attendu, je passe. Il a imbibé un produit à base chimique et un détonateur. La mise à feu a été déclenchée par un système d'horlogerie à retardement. A-t-il fait ça pour avoir un alibi? C'est en général la vraie raison. Un professionnel aurait fait ça? Ça se pourrait. En tout cas, quelqu'un qui connaissait la question. Si je vous disais que la chose a été faite ou a pu être faite par un ancien résistant, un combattant, partisan, qu'en penseriez-vous, hein? Moi, je dirais, pourquoi pas? Est-ce que je peux avoir les résultats du labo? Oui, appelez dans la matinée. Merci encore. D-O-L. Que faites-vous ici? En général, je juge assez bien les visiteurs du premier coup d'œil, mais vous, vous m'avez bien eu. Dites-moi, est-ce que vous saviez que ça existait ou est-ce que vous l'ignoriez comme pour les cassettes DOL qui ont brûlé? Évidemment que je connaissais l'installation. Nous l'utilisons dans les cas où certaines personnes se sentent intimidées pendant l'enregistrement. Et vous ne savez rien sur ces fameuses cassettes DOL qui pourraient avoir été enregistrées sur cette installation cachée? Non, j'ignore toutes ces cassettes. C'est Laura qui s'en occupait. Dans ce cas, inutile de continuer. Qu'est-ce qui vous dérange tellement? Eh bien, je doute que ce soit lui l'auteur de l'incendie. Ça ne colle pas du tout. Essayons d'être réalistes. Ce Milesko a déjà admis avoir tué une douzaine de personnes. Il les a tuées de ses mains, a-t-il dit. Zatek Milesko est un tueur professionnel et c'est lui l'assassin. Il a tué, mais en Tchécoslovaquie. Il était dans une situation où il n'était pas question de refuser. Oh, comme je regrette d'avoir parlé de lui, capitaine. Pourquoi? Vous avez fait votre devoir de citoyenne en venant nous parler de lui. Vous avez fait preuve d'un bon esprit civique. Il ne faut pas avoir de regrets, Kate. Grâce à vous, nous allons sûrement régler cette affaire. Contre un innocent, ce n'est pas très glorieux, il faut l'avouer. Alors, faisons le point sur la question. Vous êtes la seule qui ait pu voir cet enregistrement. Je n'ai jamais dit jusqu'ici si Zatek avait ou non menacé de tuer cette Laura. Pourtant, votre déclaration a tendance à le faire croire. Je n'ai jamais dit ça. Là, vous m'étonnez. J'ai votre déposition sous les yeux et je vous rappelle que vous m'avez parlé d'objectivité. L'objectivité consiste à éviter l'interprétation. Ah, votre opinion doit compter aussi puisqu'elle est la seule consignée. D'ailleurs, devant le juge, vous n'aurez qu'à dire ce que vous avez vu, c'est tout. Et d'après cette déclaration que vous avez signée sous la foi du serment, il est dit, je vous cite, « Il était très en colère et très agité. Zatek Milesko a menacé Laura White. » C'est clair, hein? Il l'a menacée. Ne vous faites pas de soucis pour ce garçon, voyons. Son procès sera fait dans les plus strictes règles. L'accusation sera étayée par vous. Je n'en suis pas si sûre, capitaine. Nous reparlerons de ça plus tard. Est-ce que vous comptez revenir sur votre déclaration? Je veux savoir. Monsieur Bartlett, ce livre que préparait Laura White, est-ce que c'était un roman? Non, 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 nous n'éditons pas ce genre de choses.
Nous publions des expériences personnelles, des livres pratiques et de psychologie populaire. Pouvait-on classer le sien? En fait, l'idée générale du livre était que la plupart des gens en ce monde souffrent d'une profonde solitude et que dans un grand nombre de cas, ces personnes, au fond de leur subconscient, se complaisent dans la solitude. Et vous croyez vraiment à cela? Ah, elle y croyait. Elle prétendait que ces gens-là se fabriquent une personnalité, se créent des habitudes particulièrement déplaisantes qui tiennent le plus possible les autres éloignés d'eux au risque même de provoquer le rejet. Vous étiez prêt à sortir ça? Ah, bien sûr. Ça pouvait être potentiellement intéressant. Sans doute. Dites-moi, avait-elle un agent? Non, je ne crois pas. C'est un avocat qui la conseillait. Brian Pace. C'est lui qui était chargé d'étudier le contrat. Brian Pace. Sans doute ne l'avez-vous jamais vu. En effet, puisque l'affaire ne s'est pas faite. Et c'est dommage, parce que l'idée aurait pu faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Le matériel utilisé était une vraie mine d'or. D'une promotion facile. Comment ça, en quel sens? Disons que c'était assez croustillant. Non, pas tout à fait pornographique. Non, je ne voudrais pas aller jusque-là. Mais on aurait pu remplacer le titre du livre « Dynamique ou liberté » par « Dynamique ou luxure ». Le livre s'appelait donc « Dynamique ou liberté ». On aurait pu le titrer « Dynamique ou... » Bien sûr. Voilà. C'est toujours D.O.L. Qui pourrait dire non à une personne comme vous? Montez. Attention à la marche, elle en a tué plus d'un. Levez la jambe, allez-y. C'est pas si mal. Je suis journaliste. Ah, une journaliste. Je suis le capitaine Franck. Vous cherchez un charter? Vous avez un très joli bateau, dites donc. Un navire? Oh, excusez-moi, je m'y connais pas grand-chose. Oui, il est joli. On a vu du pays tous les deux. On est ensemble depuis une vingtaine d'années. Et on en a bouffé du sel en 20 ans, croyez-le. Ah, je m'en doute. Mais vous avez toujours fait ça? Vous avez commencé par naviguer? Ah, laissez-moi vous raconter comment je suis devenu un professionnel du tangage. Oh. J'étais là-haut, au nord, en Alaska, et un jour, j'ai vu cette goélette qui roulait doucement, tirant sur son ancrage. Et je me suis dit, il me plaît, ce navire. Il avait 20 ans de moins à l'époque, et moi aussi. Il faisait de l'approvisionnement à travers le détroit de Bering jusqu'aux côtes soviétiques. Pendant la dernière guerre, on n'allait pas là. À l'époque, la Russie était un pays allié, on se battait côte à côte. Ah, les temps ont changé. Donc j'ai embarqué et je me suis attaché à cette goélette. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai réussi à me l'acheter. Ah, j'ai assez parlé de ces histoires. Je ne crois pas que vous soyez venu ici pour entendre ça. Hein? Alors? Voilà la raison. Je suis sur un reportage pour le journal de la ville. L'affaire Laura White. Ah, c'est donc ça. Je vois. Je dois vous dire qu'à l'agence, on utilisait souvent deux caméras. Et elles tournaient simultanément. Mais l'une d'elles, bien sûr, était cachée. Elles tournaient tout ce qui se passait? Je crois qu'en effet, elles ne perdaient aucun détail de la scène, capitaine. Vous êtes sur une cassette. Ah, cette Laura, j'aurais dû me douter que ça finirait comme ça. Mais je peux vous dire une bonne chose. C'est qu'en ce qui concerne les hommes, elle savait s'y prendre. Qui vous a laissé regarder les cassettes de l'agence? Mais c'est la directrice, Karine Webster. Parce que vous êtes au courant de ça aussi? Vous avez le coup pour dénicher les secrets, ma jolie. J'ai parlé à plusieurs clients de l'agence. Ils m'ont appris une chose, au moins. C'est que la plupart des rencontres n'étaient pas censées aller jusqu'au mariage. Ah, ça marche pas à tous les coups. Mais moi, je dois dire que j'ai jamais eu un seul rendez-vous. Non, pas un seul. Parce que... dans mon cas, j'ai été interviewé par Karine et
Ah, j'ai vite compris au fur et à mesure qu'on discutait. Eh bien, Karine était juste le genre de femme que je cherchais. Celle que je voulais. Laura, elle, elle n'a pas voulu en entendre parler. Elle était jalouse. Alors, elle a tout fait pour mettre vite le grappin sur moi. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait une chose à Karine que je lui pardonnerai jamais. Chacune avait des parts sur l'agence. Vous le saviez? Non, non, j'en savais rien. Donc, Karine a voulu racheter toutes les parts qu'avait Laura, qui lui a dit « Tu peux avoir toute l'agence à toi, les clients, le matériel. » Et bien sûr, Karine l'a cru sur parole. Elle a vendu ses biens jusqu'au dernier. Et ensuite, elle a emprunté le reste de l'argent. Il lui restait plus rien, elle était à sec. Et Laura lui a dit qu'elle renonçait à vendre. Karine a failli se faire sauter la cervelle. Oui, madame, elle lui a dit « Je vends plus » après que Karine ait tout lâché. Le coup était terrible, vous devez vous en douter, terrible. Ah, je lui pardonnerai pas. Qu'est-ce qui me prend à vous dire ça? Je n'aurais pas dû, je suis sûr que vous allez, ne le faites pas, ne racontez pas ça. Ne dites rien dans votre journal, il faut me donner votre parole. Je regrette de devoir vous dire non, il n'en est pas question. Alors c'est comme ça, vous profitez de la confiance pour faire du mal, descendez sur le quai, fichez le camp d'ici. Essayez de comprendre. Je ne vous ai pas extorqué ces quelques informations, et si demain on voit votre amie Karine accusée d'être une meurtrière, c'est à vous qu'elle le devra. Je vous dis de quitter ma goélette. Et en vitesse, vous entendez? D'abruti me file partout depuis hier. Je voudrais bien savoir qui c'est. Non, voilà une façon de parler, on croirait entendre un flic. Je commence à penser comme eux. Je vais m'engager. C'est amusant, ça. En tout cas, Simon Randall a trouvé du nouveau. Ça risque de ne pas vous amuser. Quoi? Vous savez où Milevsko travaille? Oui, à l'université. Le soir où les cassettes ont brûlé, certains produits ont été volés. Des produits hautement inflammables. C'est ça, oui, on a volé, mais on ne sait pas qui. On ne sait pas qui c'est, mais ça a eu lieu la nuit et à l'intérieur de l'université, bien sûr. Ah, Warwick. Ah, oui. Tiens, tiens, ne serait-ce pas notre témoin qui nous rend visite? Il est toujours aussi réticent. Sergent, il faut aller chercher Zatek Milevsko. Et on l'accuse de quoi? Qu'on l'amène seulement pour interrogatoire. Ça ne peut en aucun cas dépasser 48 heures, que je sache. Ce Zatek est un individu potentiellement dangereux et nous devons le mettre hors circuit. Vous en voulez à cet homme, capitaine? Moi? Je ne fais que mon travail sur les ordres du procureur. Excusez-moi. Kate, dommage que vous n'ayez pas vu qui c'était. Le service des mines dit que la voiture dont vous avez relevé le numéro est à Zatek Milevsko. Et c'est avec ça qu'on vous a tiré dessus. Il a lâché son arme, lui, un tueur? Je dois avouer que c'est assez étonnant. Je n'ai jamais vu comme ça. C'est un Nagant fabriqué en Russie. Si on avait eu la balle du mur, on trouvait tout de suite son origine. C'est pour ça qu'elle a été extraite. J'arrive pas encore à le croire. Je doute que ce soit Zat. Ouais, mais pourtant, tout l'accuse. On a lancé un mandat contre lui, il ne va pas aller bien loin. Le
fais du souci pour vous, Kate. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de me tuer hier soir? Non, parce que vous êtes venu travailler ce matin. N'importe quelle personne serait restée chez elle à se reposer. Vous l'avez dit, Joss, je suis une fanatique. Comment a-t-on pu tirer ça? Par 5 fois. Comment a-t-on pu tirer 5 fois sur vous? Sachez que je n'en ai pas la moindre idée, Joss. Mais où courez-vous comme ça? Arrêtez de bouger. Une cible mouvante est plus difficile à atteindre. S'il avait déménagé, comment l'avez-vous retrouvé si vite? Je me suis dit qu'un étranger chercherait des compatriotes. Et j'ai eu raison. Il s'était installé tout près de son ancienne adresse. Qu'avez-vous fait de votre voiture, Milesco? Où est-elle? Oh, je veux pas savoir. Je pense que quelqu'un prend en voiture pendant que je dorme. Je veux pas trouver quand je sorte. Est-ce que vous reconnaissez cette arme? Oui, je le connais, ces revolvers russes. Je veux bien connaître, russe. Il y a beaucoup comme ça dans mon pays. Et vous avez déjà utilisé une arme de ce genre? Oui, j'ai déjà utilisé. Mais j'utilise pas ici. Ici, non. J'ai pas à utiliser. Ici, inutile, Zad, tuer quelqu'un ici. Je suis sûr du contraire. Je réussirai à prouver que c'est elle qui a tué Laura White et que c'est vous qui la teniez. Dites-le, admettez-le donc. Non, non! Ça ne fait pas de doute que tout semble accuser ce pauvre type. Tous les indices sont contre lui. On m'a tiré dessus 5 fois hier soir. Vous voyez un tireur comme lui tirer autant de fois sur une personne, l'a manqué et laissé son revolver tomber par terre. Et il y a encore autre chose. Si vous deviez vous cacher et qu'on ne vous trouve pas, iriez-vous vous cacher près de l'endroit où vous étiez au risque d'être reconnu? J'ai réussi à obtenir ça. Une de ses adresses. C'est l'adresse qu'il m'a donnée l'autre soir. Pourquoi aurait-il fait ça s'il voulait échapper à la police? Oui, je suis d'accord, mais il y a encore le revolver. On peut penser au capitaine Frank aussi. Il dit avoir fait des voyages très fréquents dans des ports soviétiques. C'était pendant la guerre. Où en sont-ils, Mike? On n'a pas la preuve que c'est son arme. On a fouillé sa chambre? Oui. Pas d'armes, pas de munitions d'aucune sorte. Pas de détonateur, aucun explosif. Vous allez être forcé de le remettre dehors? Sans doute, puisque pour l'instant, on n'a rien. En tout cas, si Zat nous a dit les choses telles qu'elles sont, il y a une personne qui forcément est derrière et tire les ficelles, non? Oui, mais il nous faut des faits, Kate. Des faits, nous n'avons rien. Il reste un détail sur lequel on ne s'est pas encore penché. Les cassettes DOL qui ont disparu, la 27, 28 et 29. Si le feu ne les a pas détruites, nous ne savons pas où elles sont. Qu'est-ce que vous en espérez? Une confession enregistrée par l'assassin de Laura? Vous saurez, sergent, qu'on ne peut jamais préjuger de ces choses-là avant d'avoir vérifié. Je vais essayer. À plus tard. À vous avertir de ne pas vous en faire. Peut-être que je serai un peu en retard. Pourquoi? Où êtes-vous? Je cherche les enregistrements qui nous manquent, les DOL, vous vous souvenez? S'ils sont quelque part, c'est ici. Oh, laissez tomber cette affaire, ça ne sert à rien. Randall a déjà fait arrêter l'assassin. C'est Zad Milesco. Non, ils ont dû le remettre dehors. Quoi? Où êtes-vous donc? Attention à vous si ce Zad est ressorti. Ne vous faites pas autant de soucis, personne ne sait que je suis ici. Mais où êtes-vous? Vous ne seriez pas chez cette Laura White? Allons, pas de panique. Oh, mais si, elle y est, bien entendu. Le sergent Mike Warrick, s'il vous plaît. Bon, alors, passez-moi vite le capitaine Randall. Ici, Joss Alden, journal local. J'aimerais passer un message à Mike Warrick, c'est important. J'ai une idée d'aller le mettre là. Salut, Joss. Oh, Mike. Kate est là? Non.
Mais j'ai laissé un message pour vous. On ne vous en a pas parlé? Non. Cette DOL 29, ben voilà ce que je cherchais. Et encore une. Oh, alors viens près de moi, viens. S'il te plaît, oh, viens. Oh. Mais qu'est-ce que je fais de cette cassette si je ne sais pas qui l'a enregistrée? Faites un effort, nommez-vous. La grande scène, ça ne prend plus. Je m'y suis laissé prendre suffisamment longtemps, je dois dire. J'ai même cru un moment que tu m'aimais. Il a cru que je l'aimais. Tu as réussi déjà à lasser ton épouse, pauvre femme, après tant d'années. Comment s'appelle-t-elle déjà? Tu ennuies même tes enfants, on me l'a dit. Avec ta manie de l'ordre, de l'exactitude, de la netteté en tout. Comment peut-on épouser un flic? Comment peut-on faire l'amour avec... J'ai réussi à trouver cette cassette, n'est-ce pas? Tu es ennuyeux, Simon. Tu n'amuses personne. Pas plus moi. Persévérante, on dirait. Vous ne lâchez pas facilement. Que je t'aime. Ne bougez pas. Eh bien, si tu veux t'en aller, il faudra payer ta sortie. C'était une personne assez étonnante, je dois le reconnaître. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas la laisser détruire ce que j'avais eu tant de mal à construire. Non, j'ai essayé de la raisonner. Je peux savoir à quel endroit vous avez trouvé ça, cette cassette? Où l'avez-vous trouvée? Elle était sous le lit, dans la chambre à coucher. Laura, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Laura, reste! Je vais chercher un verre d'eau, je vais revenir, une seconde. Alors c'est vous qui étiez derrière moi, qui me suiviez dans la voiture qui a été volée à Zat. Chut. Qu'est-ce que tu crois? Que ça me passionne? Vous saurez que... certaines personnes savent très bien que je suis ici. C'est bien possible, mais pour vous, hélas, personne ne sait que j'y suis moi aussi. Si tu savais, Simon, comme tu es ennuyeux, et au lit, c'est encore pire. Kate. Thank you.
Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez et commentez.